Voilà, après sur ça, il y a bien tes collègues comme là. Bonjour, précieux, c'est bien notre communauté d'éditeurs. Aujourd'hui, vidéo de 3 dizaines en français et en espagnol. Si, vidéo en français, si en espagnol, en français et en espagnol, ça marchera très bien. Tout le monde pourra comprendre. Hoy vamos a hacer un anillo muy hermoso, con rombos, de diamantes en esos rombos. Y voy a utilizar 3 Design version 10, usando mis herramientas favoritas. Aujourd'hui, nous allons faire une bague avec des losanges et des diamants dans ces losanges. En utilisant 3 Design les 10, et bien sûr, je vais utiliser mes outils favoris. Alors, au début, évidemment, ça commence tout facile. Entonces, bien, on va empezar muy fácil. Taille de l'anneau, tamaño de l'anillo. Vamos a ir al número 8. Bien, donc, taille numéro 8. Américaine, pardon, oui, ça c'est notre standard. Sur le Mexique, nous utilisons les mesures américaines pour la bouteille. Ensuite, on va avancer la débouclage. Maintenant, nous allons donc dessiner. Ici, cercle. Alors, vamos a dibujar un círculo con la rejilla activada. Vamos a ver aquí. Ahora, sale demasiado grande, lo vamos a pasar a 23. Bien. Ce cercle, je vais l'utiliser uniquement comme référence pour la hauteur du profil que je vais dessiner maintenant. Entonces, únicamente voy a usar ese círculo de referencia para la altura. Quitamos la rejilla, la altura del perfil que voy a dibujar ahorita. Bien, aquí. On va afiner un peu. Le traçage, comme toujours, juste comme siempre, el dibujar et después afinar el dibujo. Bien, este perfil aquí. Ok, nos salimos. On sort du module de dessin. N'oubliez pas de sauver votre fichier. Oh bien, vous voyez toutes ces belles bagues que j'ai créées. Elles sont là. Parce que parfois, il y a des gens qui doutent hein, que c'est moi qui crée ces bagues et ces designs. Hein. Mais bon, avec les années, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a ce doute-là, à moins que vous ne connaissiez pas mon canal et mon travail et mes réseaux sociaux. Bien, entonces, aquí están todas los amigos que están haciendo mi canal. Pues, habrán visto. Asistente barrido, entonces barrido, barrido en francés, alors en français barrido, je sais même plus comment on dit, sweeping tout, alors je sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Balayage, petit balayage, je sais pas. Bien, taille numéro 8, donc je ne prends pas la taille d'anneau comme référence, je crée de nouveau la taille parce que je ne veux pas unir, connecter cette taille d'anneau avec l'assistant de création. Hein, et je fais spécialement de l'annoncer, je ne veux pas joindre la taille de l'anneau à la taille de l'assistant de balayage. Bien, le profil, c'est celui-là, voilà, il est très joli là. Alors maintenant on va voir la taille. Je vais mettre une taille de 9. 4, 8, 9 pour 4, c'est tout. C'est tout. Pour ça, regarde le perfil. Donc, nous allons ajouter un profil en bas qui, évidemment, sera plus petit. Et en avant, le perfil va être plus petit. Et donc, 4 et 9. Bien, 4 et 2, le profil d'en bas, nous lançons l'assistant. Bien. Alors, évidemment, c'est très volumineux et c'est beaucoup trop lourd. D'ailleurs, donc, si se puede ver que este anillo es demasiado pesado, es muy macizo así. Bien, ni tanto que 9 milímetros de ancho, es tampoco tanto. Bien, el peso actual va a ser 15 gramos. Mais c'est tellement grave. Vous savez, tiens, comme c'est même pas trop lourd encore, je vais augmenter la taille. En haut, je vais mettre en 2. Je vais en plus faire 5. Et en bas, nous allons aller à 5. 5 et 3. Maintenant, le poids est véritablement exagéré pour une bague comme ça. En or, même justement pour l'ergonomie, c'est un peu trop lourd. Alors, nous allons utiliser mes outils favoris. Nous allons faire la coupe intérieure de l'anneau ici. Vamos a utilizar el recorte automatizado. Entonces, es recorte cylindrico. Et ici, 3D Design nous va automatiquement à dar. Este corte intérieur. Donc cet outil fabuleux, il va nous faire la coupe automatique à l'épaisseur désirée. Je vais mettre 0.9. Voilà, et 0.9 en espessor. Et 3D Design nous va dar. Et puis, c'est ce qu'on va faire. Donc automatique, et voilà, l'anneau a été coupé à l'intérieur, enfin, automatisé. C'est un super outil. Je l'utilise pas très souvent. Mais tout de même, c'est une très belle fonction. Bien, donc ça, c'est le vieux point, et voyons le nouveau point. Voilà, nous sommes passés de 25 grammes à 12 grammes. 7. Ce qui est pas mal. Alors, ce que podemos hacer es que, pour notre corte automatique, on va passer à 1.85. Donc, 0.85, je vais encore un peu plus léger, bien sûr, c'est pas beaucoup de différence, on va se laisser à 0.8, et le voilà, c'est obviamente donc 0.8, on va aller à 12 grammes à peu près, je pense, c'est pas beaucoup de différence, mais c'est parfait, voilà, 12 grammes, 12 grammes para el exterior, obviamente, eso es la masse, la forma générale, vamos a hacer una galería, de hecho, vamos a empezar con una galería, donc, là, on va avoir une galerie intérieure, et c'est là que les losanges vont commencer à entrer en action, on est sur le store, on va passer à l'équipe, donc une courbe avec double symétrie, une courbe de double symétrie pour un rond. Ainsi. Ainsi qu'il y a les esquinas suavisadas. Le voy a tailler un peu ici. Donc un losange avec les pointes arrondies, c'est très bien. Après, nous allons vérifier une taille spécifique. Et on va se prendre un tamaño spécifique. On va se prendre un 3.5x6. Et un 3.5x6. Donc évidemment, il faut enlever la proportion. Ok. 3.5x6, 3.5x6 mm. Voici notre losange. Bien, maintenant, nous allons faire une extrusion. Avant, ça sent l'extrusion, et on est en 16. Aquí está l'extrusion. 2 mm hacia arriba, así. Bien, algo sobrado. Vamos a hacer una matrice. Matrice.
Une matrice. Donc, nous allons faire une matrice ici. Alors là, il faut trouver la distance. 5 et 9, peut-être. Bon, 8. Bien. Ok. 4 aussi. Pero, vamos a ir mucho más lejos aquí. 12. Entonces, esto va a ser. On va voir ce que va faire. On va valider. Donc, nous validons la fonction. Je vais bouger en copiant l'original. Nous allons bouger par-ci, par-là. Bien sûr, maintenant, nous allons ajuster. Nous allons centrer. Pour les ronds secondaires, les ronds intermédiaires, on parle 2, 5, 4, 25. Parfait. C'est exactement centré. C'est pas mal. Donc, jusque-là, nous avançons. Ah, ok. Alors, évidemment, tout ça, c'est à prendre. N'oubliez pas de sauver de temps en temps, de les garder de vez en quand. Ok, esto es demasiado grande, claro. Vamos a utilizar los rombos para hacer recortes en una lámina que vamos a doblar más adelante. Entonces, vamos a crear la lámina. Donc, nous allons créer une plaque que nous allons couper. Bien, nous allons couper ici. D'ailleurs, même plus large, en fait. Un peu trop large. Beaucoup plus large, évidemment. Ok, 85 d'épaisseur. Donc, 85, 8,5 dixième d'épaisseur. Évidemment, même pas un millimètre, c'est une pièce d'or. L'or, même on a l'impression que des castings, en fonte, supporte très bien ce genre d'épaisseur, c'est pas de problème. Bien. Donc, ici, j'ai même pas besoin de faire de positionnement trop précis. J'ai juste bougé mon rectangle ici à gauche. Entonces, no necesito positionner todavía, todavía. J'ai pas encore besoin de. J'ai pas tout de suite besoin de travailler la précision. Nous allons voir pourquoi, parce que je vais centrer les pièces un peu plus tard, dans bien temps. Bien, nous allons aller jusque-là, voilà. Bien, alors maintenant, je vais centrer ça. Donc, la lámina constituye tout para centrar esto. Lo que quiero ver es si voy a tener un rombo centrado o no. La matriz la voy a hacer de 5 en lugar de 4. Entonces, necesito. Bien, donc j'ai ajouté de la largeur parce que j'ai maintenant 5 mesures. Et ma plaque n'est pas à la taille désirée. Mais je vais simplement positionner ici. Je vais d'abord vérifier que j'ai bien un losange au centre. Donc je vais centrer moi-même. Alors ça, je le fais presque jamais à l'œil. Mais là, j'ai des axes sur le dessin. Parce que bon, le losange est totalement symétrique. Donc je peux le centrer avec beaucoup de précision à l'œil. Mais n'abusez pas de cette façon de faire. D'ailleurs, utilisez le moins possible. Bien, validé. Donc c'est bien centrer un rombo. Et ça, c'est très bien. Et centrer la lamina. Mais non. Necesito más ancho para la lamina. Donc, je vais faire la plaque plus large. Necesito más ancho para la lamina aquí. Et voyez, centrer. Bien, alors, maintenant, nous allons simplement faire la booléenne de la plaque avec les losanges. Sauvons avant l'opération soustraction. Soustraction booléenne, aquí, este recorte, qui va ser para el foro intérieur. Et donc, c'est pour la fonction de transformation. Je mets une fonction de transformation. De façon non proportionnelle, je vais aller à une taille 0.7 et 0.7 là. Bien. Bon, ça va grave. Et en temps 16, vamos à utiliser la méthode d'envolver. Donc, nous allons faire une transformation circulaire ici. La direction est celle-ci. Bien, donc c'est pour ça que je n'avais même pas besoin de transformer la plaque. Alors ici, je peux choisir. Je vais la laisser comme ça. Elle est beaucoup trop grande encore. Ah oui, pardon, j'ai pas mis à la taille. Todavía ni puse el tamaño, voy a validar. Bueno, ya hizo la transformación, pero además, esta envoltura la puedo hacer al tamaño exacto del anillo, radio fijo, tamaño 8, bien. Y voy a validar. Entonces, la plaque est trop grande. Los losanges sont trop grands pour une galerie adéquate pour une bague de ce genre. La galerie es demasiado grande, pero, yo puse una función de transformación aquí antes de hacer la envoltura, lo que me permite regresar à la fonction de transformation qui vient ajouter le tamaño que vea sea adéquat. Bien, donc, j'ai mis une fonction de transformation avant de faire la transformation circulaire, ce qui me permet de faire marche arrière et d'ajuster la taille de la plaque avant la transformation et d'y revenir quand j'en ai besoin, comme ceci, comme cela. Aquí, voilà. Et entonces, podemos ver que el tamaño ya es un poco más adecuado. Lo que puedo hacer es, como no necesito los 360 grados, para mantener una proporción un poco menos alargada, que me gusta más, donc moi j'ai envie d'une proportion un peu moins allongée. Donc on va travailler avec les angles ici. J'ai pas besoin de 360 degrés. 270. 300 ou 300. Dépend de la proportion des losanges en fait. Surtout dépend de la proportion des losanges. Laquelle on met dans sa largeur. Mais on va vous faire masse, c'est masse esthétique. Il y aura plus d'esthétique en conservant les losanges. Pas aussi. Bien, donc 280 grados. 290 grados. Bien, 290 grados.
Donc, nous faisons de 1,35, je crois que la mitad de 60, perfecto. Donc, il nous manque 300 degrés, que la moitié de 70, il y a la différence entre 60, bien, validons. Donc, comme vous pouvez voir, bien. Et ce que je vais changer aussi, c'est que, bien, alors maintenant, nous allons nous occuper du centrage de la galerie intérieure. Je vais adapter les angles d'un côté, je vais aller un peu plus loin, et nous allons voir que nous allons pouvoir centrer ça, voilà. C'était juste un petit peu trop loin. 295, 297, 298, 298, 2, 298, 5. Bien. 298, 6. Bien. Donc verticalement, ya está perfectamente centrado. On va y aller. Ah non, bon, c'est horizontalement. Vertical. Donc nous allons perdre le centrage sur l'axe vertical maintenant, ici. Bien. La galerie est maintenant parfaitement centrée, et c'est pour ça que j'ai pas perdu trop de temps au début, parce que je n'avais pas besoin de perdre de temps. Et c'est là où l'expérience fait la grande différence. Bien, maintenant, nous allons voir si nous avons peut-être besoin de faire la galerie un peu large. Bien, surtout pour le haut, c'est parfait. Mais alors maintenant, nous allons faire la coupe. Bien, entonces, pudieron ver que centré la galerie, hein. Ahora, perfectamente, horizontalmente y verticalmente, ajusté el ángulo. Y por eso no perdí el tiempo antes para tratar de centrar la lámina de la galería que no era necesario. Eso, la experiencia, es donde viene a ser la diferencia. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a hacer la coupe, evidentemente, du surplus, para hacer el ajustage de la galería en la bague. Aquí hay varias maneras de trabajar. Alors, moi, je vais faire l'option d'ajuster le plus précisément possible la pièce. Bien, entonces, voy a hacer la opción totalmente ajustada aquí. Bien. Et obviamente est tentative. Donc ça c'est tentative. Nous allons voir si ça marche. Et si je devrais ajuster parce qu'évidemment les angles. Alors ici je peux faire recoupe avec l'outil direct de recoupe, mais je préfère faire l'extrusion moi-même de chaque côté. Voilà, de chaque côté. Bien. Bien, donc ici nous pouvons déjà observer que le dessin n'est pas assez précis du tout. Donc je vais cacher ça pour un moment. Et nous pouvons voir très légèrement que. La galerie doit aller beaucoup plus loin, ici. Eh bien, il manque encore un petit peu vers le haut, donc nous falta un peu pour arriver. Comme vous pouvez voir, vamos ajustando la galerie à l'anillo. En este caso, de manera visual, con la transparencia y con los sólidos. Me falta también un poquito de aquí arriba. Hay casos más sencillos que otros, hay casos más complejos. Este es bastante sencillo, sépanlo. Comme je disais, il y a des cas plus difficiles. Ce cas est assez simple, comme galerie. C'est un exemple. Donc, sachez aussi mesurer le niveau de difficulté, évidemment. Bien, donc, on va faire intersection booléenne, intersection booléenne, aquí, intersection validar. Et aquí tenemos una pieza de galería exactamente ajustada al anillo. Da mucho gusto ver esto. Entonces, esto es el trabajo del interior, que ya resultó muy exitoso. Donc le travail de l'intérieur est réussi déjà. Maintenant nous allons faire un travail de montage de pierre, de sertissage de pierre sur l'extérieur avec des reliefs en losange. Alors je vais préparer une pièce très similaire, mais pour l'extérieur. Donc je vais venir ici et je vais dégager une intersection bien intense. Vamos. Separar una superficie de la capa exterior del anillo y por eso estoy creando. Voy a crear un sólido, también con extrusión. Je vais créer un solide avec cette courbe. Bien, donc, nous allons maintenant faire une intersection, mais nous allons garder les originaux. Vamos a hacer la intersección guardando los originales. Entonces, puedo esconder esto y puedo esconder esto. Un rato, bien. Bien, ahora, antes de seguir, necesito extraer una superficie. Donc maintenant, avant de continuer, je dois copier une surface. Alors ici, il y a un phénomène que j'ai envie de toute la surface. Mais j'ai de la chance, dans deux aspects, que... J'ai de la symétrie dans deux axes. C'est la double chance. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin d'extraire même toute cette surface-là. Ce que je vais faire, je vais sortir d'ici, voy a salir de aquí. Como tengo doble simetría, voy a cortar la pieza en dos. Aquí. Bueno, o más bien, acá. Voy a cortar manteniendo el otro lado. Donc je vais garder ce côté-là. Et je vais couper une deuxième fois. Voy a cortar una segunda vez. Aquí. Y igual voy a guardar el lado derecho. Este. Podemos ver si está bien centrado todo, sí, está perfecto. Donc maintenant, je vais copier, extraire cette surface,
Donc, c'est ce qui m'intéressait. Le but de tout ce travail était d'obtenir cette partie de la courbe, cette surface. Lo único que me interesaba con todo este trabajo de la curva exterior, la intersección, estos recortes, es obtener esta superficie. Ahora, voy a desplegar. Nous allons développer cette surface. Ici. Et nous allons obtenir cette surface plane qui va correspondre à cette surface 3D. Bien. Donc, à partir de là, je pourrais créer ma décoration et mes affichages. Nous allons voir comment. Entonces, con esta superficie que tengo ahí, podré crear mis decoraciones de rombos y el montado de piedras que quiero realizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este rombo, lo voy a extruir, donc je vais prendre notre losange original, ici, 1 mm, vers le haut. Je vais mettre un peu plus, je vais mettre 1.1. Bien. Maintenant, je vais le tourner de 90 degrés. 90 degrés. Voilà, alors il est trop grand, évidemment, ça nous le sent déjà. Je vais bouger en place. Donc celui-là, je vais le centrer, le plus que je peux, à cette surface, le plus grand, ici. Ici. Entonces fui a centrar esto, y miren que la altura, todo lo que rebasa el horizonte va a ir arriba del metal, todo lo que va debajo va a ir debajo del metal. Por eso voy a ir un poco sobrado aquí. Ahora, bien, donc j'ai mis en place le losange, je vais faire un peu plus petit, le ferai-je plus petit, peut-être oui, peut-être non. Bien sûr. Donc, maintenant je vais faire un travail de coupe et de décoration. Aquí voy a hacer un trabajo de reporte y decoración. Voy a copiar este rombo, lo voy a hacer más pequeño. Vamos a ver de cuánto, más o menos aquí. Vamos a ver. Bien, vamos a venir aquí. Sí, muy bien. Aquí vamos a hacer una deformación. Deformación de conicity. Bueno, ici. Ahora tengo. Allons utiliser le même pourcentage, peut-être 150%. Bien, très bien. Maintenant, nous allons faire la soustraction ici. Très bien, très joli. Alors ici, je vais mettre une pierre. Et cette pierre-là, je vais la mettre en place avec juste une fonction pavée, avec une seule pierre. Ça peut arriver. Entonces, voy a hacer un pavé de una sola piedra. Obviamente, bien, aquí, 2 mm, queda perfecto. Tal vez esté muy grande este rombo, ya veremos. Vamos a centrar aquí. Bien. Vamos a pedir la piedra en el árbol y la vamos a poner más arriba en Z. Je vais monter la pierre. Le point 5, j'en ai pas fait. Voilà. Bien. Directement en position. Maintenant, je vais faire un travail de grains. Donc, des grains à 0.7, je m'imagine, ou peut-être un peu plus. Un total grano, c'est 1.75. Bien, aquí. Bien, encore. Un grano decorativo aquí. Ahora vamos a hacer un taladro de posición. Así, lo voy a hacer más gordo de abajo. Bien. Voy a perforar. Bien, donc nous allons faire la perforación. La lumière de la pierre. Bien. 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 Maintenant, je dois faire une matrice qui occupe cette surface. Bien. Ahora, tengo que hacer una matrice para ocupar esta superficie. Entonces, vamos a ir así. Es obviamente totalmente la otra dirección. Entonces, vamos a allá. Menos 180 y menos 90 grados. Bien. Las distancias. Entonces, las distancias. Aquí vamos a ver 3, 5, tal vez. Y allá 5, 6, 7, 8, 5, 7. 4. Bueno, esto es una opción. Bien, ahora vamos a tener únicamente dos en esta dirección. Lo demás está bien. Voy a mirar. Ahora, lo que tome la matriz, lo voy a tomar con la tecla Shift y voy a mover. Va a ser automáticamente la copia porque el objeto ya fue ocupado en otra función. Bien, aquí entonces, menos 3, 5. Menos 2. Perfecto. Como son muy pocos, en lugar de hacer matriz, puedo venir a mano menos 7. Por aquí no puse copia, no pasa gran cosa. Vengo aquí, crear una copia. Si se nos olvida al hacer la función. Ahora voy a venir aquí, menos 7, con el original. Bien.
Aquí ya estoy listo para hacer la función envolver. Bien, nous sommes prêts pour faire la fonction envelopper. Ok, hay que tener cuidado que tengo piedras, tengo granos, tengo perforaciones. La función muy probablemente va a fallar. Pero funciona así. Vamos a tomar la superficie y las piezas de esta manera y vamos a envolver. Aquí. Y nos va a hacer esta previa sobre la superficie. Así. Hay bastante poca deformación sobre las piedras, aunque después voy a filtrar varios elementos. Pero vamos a lanzar la función y vamos a observar qué obtenemos. Aquí se puede tardar, aunque ya saben que te dicen, calcula a muy buena velocidad, realmente muy buena velocidad, realmente rápidamente. Si algo se tarda mucho es que algo fue mal colocado. Eso lo pueden tener casi siempre garantizado. Ya lo usamos, que otro design que très vite et très bien. Il y a bien cette petite erreur ici, mais c'est plutôt insignifiant. Bien, voyons là. Voyons les décorations. Alors, les décorations sont assez réussies. Les pierres ont des déformations, mais étant donné que je suis parti de 2 mm, j'ai pris en compte le fait que ici, j'arriverai peut-être à 1 mm, 1,25, 1,5. Donc, je ne suis pas trop préoccupé par la taille des pierres. Donc maintenant, je suis bien content. La seule chose que je vais changer, ici, c'est la hauteur de la décoration. Je la veux, en fait, un peu plus profonde. Okay. Donc, lo único que voy a cambiar, porque en realidad me está gustando, tomen en cuenta que el diamante tiene deformación sobre este tipo de deformación, pero no me preocupa mucho. Aquí tengo 2 milímetros al principio y tomen en cuenta que con la deformación, muy seguramente aquí abajo llego a algo como 1, tal vez, 1.25, 1.5, pero me quedo en un rango de tamaños de diamantes reales, factibles, realistas. ¿Sí? Bien, entonces, lo único que quiero hacer es que la decoración no salga tanto. El rombo se está saliendo demasiado y no me gusta. Entonces voy a cambiar lo que voy a guardar. Hay unas caras negras de partes volteadas, pero eso es muy leve. Eso se corrige después. O se corrige después en formato de junta o STL. No importa. Lo importante es que las piezas estén todas completas. Bien, entonces voy a venir aquí y... Bien, voy a tomar los elementos que tengo que mover y bajar esos elementos décoratifs. Bon, les éléments décoratifs, je vais les sélectionner, je vais les bouger vers le bas. Alors, comme je n'ai pas mis une fonction, de transformation avant de faire l'enveloppement, ben, tant pis, maintenant je vais faire une copie et refaire l'enveloppement. Mais bon, c'est pas très grave et je peux toujours. Bien, ça marche aussi bien qu'avant avec les mêmes erreurs qu'avant, donc tout ça est très constant. Mais avant de faire ça, entonces, acabo de volver a hacer la solution de volver, bajando la altura de las decoraciones, ya va quedando muy bien. Lo único que voy a cambiar ahorita, voy a deshacer, je vais faire marche arrière sur un petit détail, j'ai besoin de quelques petits détails sur la construction. Bien, je vais prendre l'objet, voy a buscar el rombo original, je vais prendre le losange original, donc il faut réussir à le trouver, ce n'est pas forcément facile, mais je dois être là. Ici, je vais créer une copie de mon objet. Je vais valider. J'en ai besoin pour compléter quelques petits trous que je vais avoir ici. Voilà. Donc, moins 3,6. Voilà. Et aussi la hauteur. Donc, moins 0,3720. Estoy indicando esto aquí porque necesito completar para llegar a la orilla. No olviden guardar de vez en cuando. No olviden enregistrar el trabajo de todos los otros. Muy bien. Très bien. Donc, ça, en gardant la copie, c'est moins 7. Comme j'ai positionné les objets de façon numérique, j'ai toute la précision voulue et nécessaire. Comme je crie, évidemment. Bien. Alors, ici, je vais aussi profiter pour faire une coupe. Je peux. Bien, aquí, voy a aprovechar para hacer también el recorte. Puedo utilizar la curva de envolver como cortador, pero quiero algo un poco sobre aquí. Bien, donc je fais une coupe en gardant un peu un excès de métal. Donc je vais mettre ces trois amis dans une fonction de transformation. Je vais faire la coupe. Ici, c'est réussi. Donc ça, c'est pour compléter le bord extérieur. Bien, je vais encore rajouter un losange décoratif ici. Moins 14, 4. Moi, bon, je n'ai pas jamais copié parce qu'il est déjà dans un groupe. Très bien, nous avons ça. Bien, ça, c'est pour améliorer le design. Alors maintenant, il y a quelque chose de très important que je dois faire. C'est que je vais créer des petites unions entre les éléments.
Parce que évidemment, l'anneau, en fait, cette bague, je ne la veux pas solide. Je la veux avec mes éléments décoratifs comme surface. Étant donné qu'il ne se touche pas, j'ai d'abord besoin de petites connexions. Donc je vais créer des petites connexions, des petits ponts entre les pièces. Voy a crear unos pequeños puentes entre las piezas. Lo puedo hacer en realidad de manera muy sencilla, un rectángulo de un tamaño que sea suficientemente sólido, 1x2. Voy a abrir. Donc, qu'il soit assez solide tout de même. Je vais tourner la pièce à l'angle ici. 330, donc 30 degrés, c'est parfait. Voilà, je vais valider. Alors, je n'ai pas besoin d'autant. Non, nécessitant un tout. Ancho. Oui. Sur le central. Ici. Ici, bien, maintenant, je vais le transformer en courbe. Parce que, en fait, j'ai besoin que ce point-là. Ah, parfait. Eso era un problema. Yo lo iba a hacer recto, pero el accidente me dio una maravillosa estética. Donc un accident très heureux maintenant, esthétique, j'arrive à faire des bords droits, et en transformant le rectangle à courbe, j'obtiens des courbes sur les bords, ce qui n'allait pas forcément arriver, mais voici l'accident dans le monde artistique est toujours très important. Bien, donc maintenant j'ai un petit pont ici, et mon petit pont, je vais, je vais le faire solide. Donc nous allons faire une extrusion, ces deux côtés à 0,5 pour obtenir 1 mm, c'est pas mal du tout. Évidemment, il est trop haut, donc je vais le baisser. Et je vais pas le mettre, non, c'est en bas, je vais le mettre complètement en bas. Ce qui est meilleur pour la fabrication de la pièce. Oui. Bon, quoi que là, le doute est esthétique, parce qu'en fait, esthétiquement parlant, c'est un peu plus joli de le mettre un peu plus vers le haut. J'ai de la chance que je dépasse mon bord interne, c'est bien. Voilà. Alors, maintenant, j'ai besoin de... Bien, alors là, voy a crear un plano auxiliaire. Donc, un plan auxiliaire centré sur cette pierre là-bas. Et... Et là, qui tengo ya un plano auxiliaire. Voilà, le podemos dar un color, incluso, que c'est plus bonito. Vamos a hacer... Y... Voy a le dar aquí. No tan transparente, aquí. Mi primer plano auxiliaire aquí... Lo voy a... Copiar. Y lo voy a girar... De 90 grados allá. Y le voy a dar otro color. Eso no basta. Para hacer de los otros. Bien. Muy bien. Esto es para hacer mis espejos. De mis soportes, aquí, uno. Son únicamente los soportes. Donc, les plans auxiliaires pour faire les miroirs de mes supports. Et voilà, c'est parfait. Nous allons faire une matrice pour joindre tous les bouts, car il faut toujours joindre les bouts. Matrice. Alors, la matrice aussi va dans l'autre sens. Moins 180 degrés et moins 90 degrés. Bien, alors nous allons deux fois dans cette direction-là. La distance est de 3,5, je crois. Donc de 4. Voilà, je me suis très bien souvenu de la distance, c'est 4. Et maintenant, dans l'autre direction, la distance est 7, je crois. Voilà. Il faut juste voir si je joins tous les bouts. Oui, je joins tous les bouts. C'est magnifique. D'ailleurs, c'est magnifique. Entonces, son soportes para unir todas las partes. Muy bien. Et con la matriz, perfecta, voy a poner. Bien, entonces, ahora, creo que estoy listo para hacer la función envolver. De nouveau, donc nous allons faire la fonction envelopper de nouveau, mais cette fois avec tous les nouveaux éléments. Voilà, par exemple, celui-là. Et cette fois, ils ont des supports, ce qui me permettra de faire une coupe. Donc, tout ça, il y a de l'anneau, enfin, vous verrez, bien sûr. Et ici, il faut réussir à sélectionner la surface de développement. Bien. Donc, maintenant, nous allons faire la fonction envelopper. Espérons avec le même succès qu'avant. J'espère que la profondeur est suffisante. Non, la profondeur n'est pas suffisante. Donc, avant de lancer la fonction, je vais mettre les pièces en dessous de la surface. Oui, voyez, les supports doivent être en dessous de la surface, effectivement. Ici, surtout les supports. Bien. Los soportes deben estar debajo de la superficie. Ainsi. Entonces, tomo mi objeto y la función desplegar y voy a hacer envolver. Aquí. Como dijo, espero con el mismo éxito que antes. Bien, ahora podemos ver que los soportes están debajo de la superficie. Además, hay dos soportes que no van a tomar muy bien la función o elementos. Pero no es muy grave. Vamos a lanzar la función. Hay unos rombos y soportes que no van a resultar muy bien. Entonces, hay muchos elementos laterales, sobre todo, los ordinarios en bas, que no van a realmente survivir a la operación. Pero eso no es realmente grave, porque yo voy a utilizar como posicionamiento para las nuevas piezas que voy a placer moi-même. Y entonces, ya podemos avanzar un poco aquí. Entonces, aquí necesito limpiar. Resultó muy bien. Voy a esconder algunos elementos. Ya voy a esconder los elementos auxiliares. Muy bien.
Ahora, en esta central voy a ver, ok, el elemento que no sobrevivió es pues básicamente este. Entonces voy a filtrar este, pero lo voy a conservar en un grupo aparte. Y voy a filtrar lo que tengo que voltear. Voy a filtrar esto. Y voy a filtrar esto. Bien, vamos a trabajar para repararlos. Si no se puede, no es muy grave. Es únicamente un problema de las normales, de las superficies que están volteadas realmente. Pues ahí no funciona aquí. Vamos a invertir la superficie. A veces funciona en dos veces. Así fue. Entonces, además, tengo mucha suerte. Mucha chance. Les surfaces se retournent, se retournent bien. Ça, c'est beaucoup de chance. C'est la chance du débutant, évidemment. Donc, il y a presque tout qui est déjà bien. Alors, ici, je vais effectivement créer. Je vais remplacer ce losange le moment venu. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Et bien, aquí voy a filtrar los elementos. Je voy a copiar. Vamos a ver. Entonces, bueno, sí, tengo que filtrar todos estos. No son tampoco tantos. Donc, ici, je dois filtrer tous les éléments que je vais copier, bien sûr, en miroir. Car c'était la stratégie que je commentais depuis le début. Étant donné que ma bague est totalement symétrique, bien symétrique sur les deux axes, je n'ai pas besoin et je n'avais pas besoin de lutter pour faire ce travail sur toute la surface. Il y a une des grandes erreurs de manipulation que commente beaucoup de monde. Alors ça devient très frustrant évidemment. Mais 3Design est toujours un programme, je dirais même presque magique, car il y a toujours un moyen de solutionner tous les problèmes dans 3Design. Et encore plus dans la version 10. Bien, ici, il ne faut pas oublier de faire un alterne. Ici j'ai besoin que de ces éléments-là que je vais copier au miroir. Je le miroir. Voilà. Ah, mais ici. Ah, là, ça devient beau. Ici. J'ai pas encore besoin de celui-là. Attention, attention, je vois bien. Je vais conserver ça comme ça. Ok, perfecto. Estos son los elementos que necesito para hacer espejos y completar el anillo. Un subgrupo, sí. Aquí está. Entonces, tenemos esto. Y eso es para el espejo de la izquierda. Entonces, espejo aquí. Aquí tiene bastante que. Aquí. Perfecto. Ahora necesito estos del otro lado. Aquí va a tener bastante que trabajar. Porque si ya son. Es casi 100 elementos con los granos, obviamente. ¿No? Se va a tirar esto. Entonces aquí ya estoy completando la estructura de la superficie. Obviamente falta el espejo de algunos elementos. Bien, aquí voy a filtrar. Ici, nous allons filtrer ces éléments-là. Je n'ai pas encore besoin pour la symétrie, j'en ai bientôt besoin. Je dois encore faire quelques filtres. Mais c'est assez simple. Bien, ici, on subgroupe. Bien, ces éléments vont une fois à droite. Ce qui nous reste, c'est ces éléments à la derecha. Aquí. Bueno, estoy encantado de lo que estamos teniendo acá. No nos falta este elemento. Y aquí también, aquí necesito. Ah, sí, únicamente este elemento. Okay. Aquí vamos a filtrar de nuevo. Bien. Pero bueno, es un muy pequeño sacrificio de tener que hacer el trabajo de filtración en lugar de intentar generar el despliegue sobre toda la pieza, lo cual no hubiera funcionado, se lo puedo casi garantizar, que no es necesario, es un error. Porque viene aquí y. No, es una maravilla, nada más ver la perfección de la estructura con los soportes de los granos de los piedras, pero esto. Bien, donc, je suis très content de ce que je vois maintenant. Le fichier n'est même pas très lourd, 100 mégabytes, c'est vraiment rien du tout. Bien, vamos a hacer los détails que todavía falta corregir. Aquí hay un elemento que tiene una faceta negra, pero eso no me preocupa mucho. Bien. Bien. Ici, ce solide est assez adéquat pour faire la découpe de la structure, pour dégager la structure. Mais je vais faire une copie de la pièce solide du début, complète, comme ceci. Et je vais la faire un peu plus petite. Nous verrons si cela est suffisant. Bien, donc je vais faire deux choses de plus. Là, je vais dégager la taille de l'anneau. En coupe, direct. Vous voyez, c'est un corte ici de l'intérieur. Et voy a restar todavía à l'intérieur de ici. Eso debería darme un portador adéquat. Je vais checker. Bien, je vais adapter la coupe intérieure, qui peut être plus petite encore, si sûrement. Je vais réussir à voir le coupeur rose, c'est toujours une couleur dedans. Bien, faisons un test. Vamos a hacer una prueba con este cortador. Ok, está interesante el corte. Donc, je vais cortar ce losange ici. Voy a
crear este rombo en el lateral, porque este sí necesito reemplazarlo completamente. Para eso voy a trazar y proyectar el rombo. Por eso comenté que necesitaba conservar el rombo aunque dañado. Bien aquí. Para ver con más facilidad la posición que va a ocupar el reemplazo. Ya lo llevo placer, solo eso. Grâce à la position du losange dans le mauvais état. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore supprimé. Bien ici. Alors maintenant, je vais projeter. Alors maintenant, je vais projeter ce losange. Donc nous allons le sortir vers la droite. Ici. Alors maintenant, je vais projeter, mais sur le corps de l'anneau solide qui est ici. Bien sûr, au fin fond de l'arbre, de l'historique. Mais nous allons le projeter tout de même. Donc projection courbe. Et voilà, alors maintenant je l'ai projeté, bien sûr, sur l'anneau qui était à une autre échelle, mais il n'y a aucun problème, je vais faire une. Bien, donc projeter le rombo sur le corps de l'anneau solide. Il y a une autre escala, mais ça n'importe pas. Vamos a hacer una superficie aquí. Vamos a poner punto 2 y punto 5, punto 2, punto 3. Yo voy en rosado primero, aquí tenemos esto. Pues está, está casi completo. Entonces abajo voy a poner punto 7 más bien. Quieren más, lo voy a emparejar. Vamos un milímetro así porque tiene 1.5. Perfecto. Perfecto. Está rebasando un poquitito a la derecha. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a girar. Voilà. Voilà, les paquettes. Bien. Donc ça, ça va être en haut massif maintenant. S'il vous plaît, haut massif. Voilà. Je vais faire le miroir à gauche à droite. Voy a hacer los espejos de cada lado para completar estructura de rombos a la perfección. Bien, 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 bien. Necesito filtrar, obviamente, lo que sobraba. Entonces voy a poner esto un ratito. Bien. Este rombo, de hecho, ya lo puedo suprimir. Ahí está. Aquí pudieron ver una aplicación avanzada de la herramienta de envolver y desplegar. Es una función muy interesante en Prism. Generé esta estructura de rombos con pavé de diamantes. Bien. Ceci est un succès total. Vous avez vu la mise en action de la fonction développer et envelopper pour créer une structure de losange pavé de diamant à grain. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec 3Design version 10 maintenant. C'est une version très rapide, très efficace en travail de bijoutier et de créateur de bijoux. Preuve est de nouveau faite, si c'était nécessaire. Bien, esto fue el trabajo de hoy. Un anillo con estructura de rombos pavé y galería de rombos. Perfectamente ajustada al anillo para hacer la fabricación por piezas separadas de la más alta calidad. Y bien, bueno, en español ya termina aquí este video. Y bien sûr, je fais aussi la conclusión en français. Bueno, j'espère que vous avez adoré le tutoriel d'aujourd'hui de la création de cette bague avec une svelte structure de losange pavé de diamant et une galerie ajustée à la perfection pour faciliter la fabrication de la pièce séparée pour obtenir la plus haute qualité de fabrication que vous désirez. Bien, ce travail a été fait avec 3Design version 10. Aujourd'hui, mardi 1er janvier 2022, par votre professeur de design de bijoux préféré, Damien Rohrbach. Et souvenez-vous que cette bague est une création complètement maison. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur.